Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Le président de la République a décidé, il veut envoyer à Bruxelles, à la Commission européenne, Sylvie Goulard. Elle avait euh, quitté le gouvernement en 2017 sur l'affaire des emplois présumés fictifs du MODEM, les, les assistants parlementaires européens qui auraient été employés par, par le MODEM avec l'argent du Parlement européen. Il faut préciser d'emblée que personne n'est mis en examen. Il y a une enquête en cours. Euh, comment réagissez-vous, Yannick Jadot, à cette annonce du président de la République je connais bien Sylvie Goulard parce que euh, on a siégé ensemble au Parlement européen. C'est une femme de qualité, c'est une pro-européenne euh, incontestable. Euh, bon, c'est une vraie libérale. Hein. Euh, attention, hein, là-dessus, il n'y a, a pas de débat. Pas Elle très appartenait, appartenait d'ailleurs au groupe pas, libéral au Parlement pas, européen. Pas, 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 pas très écolo, mais c'est vrai qu'il y a une gêne. Il y a une gêne parce que euh, finalement, euh, Sylvie Goulard ne peut pas être ministre en France et elle peut devenir commissaire au niveau européen. Alors soit il euh, n'y a pas de sujet autour des emplois euh, présumés fictifs, et à ce moment-là, pourquoi est-ce que les élus, enfin les patrons du modem ne sont pas ministres Soit il y a un sujet, et euh, ça pourrait remettre en cause euh, la crédibilité de la France au niveau, euh, au niveau européen. Parce oui. qu'imaginez que euh, la justice finisse par se faire son travail, et c'est un... On a un problème sur ces enquêtes-là. Pourquoi la justice ne va pas plus vite ah, soit, pour souhaitez... soit pour sanctionner, soit pour sanctionner, soit... Pour au fond euh, relaxer totalement euh, les personnes. Vous ne pouvez Mais là, pas. là, on est, vous est ne dans une pas, situation euh, de suspicion Yannick qui est Jadot. gênante pour la France. Au Yannick Jadot, vous ne souhaitez tout de même pas une justice expéditive. Si on prend le cas, de l'affaire Fillon, si on prend le cas de l'affaire Fillon, si Fillon, il a fini par être renvoyé. Ça a pris énormément de temps. Mais. Mais les choses arrivent, la justice prend son temps, est-ce que ce n'est pas plutôt souhaitable dans un état de droit Que la justice prenne son temps pour bien faire son travail, c'est évident, mais là, on a une suspicion qui traîne euh, sur des personnalités sans savoir si finalement elles peuvent exercer pleinement des responsabilités mmh. politiques ou si finalement il faut qu'elles sortent de la politique parce qu'elles euh, ont euh, fait un pas de travers. Il y a une présomption d'innocence que vous, vous respectez. Avez je, je le respecte, mais euh, à partir du moment où euh, le président Macron a considéré que ni... Sylvie Goulard, ni François Bayrou, ni euh, Madame de Sarnez ne pouvaient exercer des responsabilités gouvernementales. C'est Sylvie Goulard qui a démissionné, attention, elle n'a pas été renvoyée mais par Emmanuel Macron. D'accord, mais on pas est dans la même histoire. Affaire. Bon. On est dans la même affaire. Donc vous lui promettez que... un moment très difficile au moment ben des, je... auditions. Que, attendez, va, des auditions, parce qu'attendez, il, qu il y a des auditions. Il, il va de... falloir qu'elle s'explique. Il va falloir qu'elle s'explique Attendez, et puis... il faut expliquer à nos auditeurs. On ne devient pas commissaire européen comme ça. Non, c'est pas comme des ministres. On passe devant des parlementaires dans les commissions ad hoc qui auditionne les candidats, oui. et ça peut parfois être un peu rude, vous lui promettez un moment difficile Écoutez, On verra ce que feront les parlementaires septembre. européens, certainement. De toute façon, ils vont l'interroger sur ce sujet-là, et il faudra qu'elle s'explique. Mais au-delà de ça, le président Macron ne cesse de vouloir démontrer qu'il reprend un virage écolo. Euh, ça aurait été bien que ce soit une personnalité euh, qui incarne l'écologie. Ça aurait été bien que ce soit, euh, que le, finalement, l'ambition le, de la France, ça soit d'avoir un grand ou une grande commissaire verte euh, au, à, la, à la Commission européenne. Pour dire, nous voulons investir sur le climat, nous voulons sortir des énergies fossiles, nous voulons enfin changer ce modèle agricole qui impose d'importer tellement de soja brésilien que ça participe de la déforestation, qu'on a les algues vertes en Bretagne, qu'on a nos paysans qui, avec un paysan qui se suicide euh, tous les deux jours, ouais. qu'on a un tiers des paysans qui ont moins de 350 euros et la trouille partout des pesticides. Moi, j'aurais aimé que le président Macron, il dise, je choisis un écolo okay. fort On un vous écolo entendez. indépendant vous, vous aviez, un écolo à la commission vous européenne. lui aviez suggéré des noms vous avez ah, échangé savez, avec lui il, il vous écoute Emmanuel pas, bon. Macron ne m'appelle pas pour Allez, savoir ce qu'il doit faire sinon parlons, il fera autrement parlons des élections municipales qui arrivent en mars oui. et en particulier de Paris puisqu'on apprend aujourd'hui euh, apparemment il n'y a plus de doute euh, une candidature dissidente euh, chez euh, les marcheurs celle de Cédric Villani qui est censé euh, l'annoncer la semaine prochaine euh, vous vous frottez les mains euh, Yannick Jadot quand vous apprenez et, euh, cela les pour Benjamin Griveaux, Les, euh, je, 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 je vous imaginez bien que je ne soutiens pas la candidature de Benjamin Griveaux, mais celle de David Béliard, et donc que euh, En Marche euh, euh, se divise, y compris sur un processus dont tout le monde peut reconnaître un peu vu de l'extérieur qu'il était totalement biaisé. Vu de euh, l'extérieur, quand savez-vous bah, réellement Unanimité pour Benjamin Griveaux, alors que Villani incarne quand même quelque chose à Paris, ça paraissait bizarre. Mais ça, je leur laisse. Ouais. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est que euh, David Béliard et les écologistes puissent construire une alternative d'écologie bienveillante alors justement, à Paris. On a une des villes euh, qui, euh, au niveau européen, euh, a le moins euh, travaillé à euh, résister à la canicule on a une des villes où il y a le moins de nature, mmh. où il y a le moins de, végét de végétation. Eh bien, euh, il va mmh. falloir qu'on ait un maire écolo dans la ville de la cour de Paris, Jadot, sur le climat. Qu'on ait un maire écolo qui, avec enthousiasme, avec bienveillance, emmène l'ensemble des Yannick Parisiens Yannick Jadot, sur une grande transformation Jadot, écolo. – Vous dressez un bilan écologique catastrophique non, de cette mandature. – Non, je vous, vous dis qu'on faire. – Vous étiez au pouvoir, vous avez gouverné la ville. – Si je ne m'abuse, un, un gouvernement, laissez-moi poser une question. L'adjoint au transport est vert. Vous, oui. vous gouvernez depuis 2014 et même avant. Avec de déjà. Avec Ensuite, avec euh, Anne Hidalgo, on peine à comprendre. N'avez-vous pas réussi à obtenir mais les bons arbitrages oui, mais On n'a enfin, pas la majorité. Vous avez gouverné Tout... la ville on a pourquoi participé. partir aux élections séparément et gouverner ensemble mais c'est marrant cette conception de la démocratie tout ce qui a été obtenu sur l'écologie à paris c'est parce que les écologistes ont fait des voix aux élections municipales que nous avons eu des élus qu'on a eu un contrat de gouvernement avec bertrand delanoë avec Anne hidalgo donc tout ce qui a été dans le bon sens c'est parce qu'il y a eu des voix écologistes okay. c'est parce qu'on s'est présenté et que maintenant il y a une telle urgence sur les canicules, sur les pics de pollution, sur l'alimentation, sur la mixité sociale dans cette ville, sur la culture, il y a un tel besoin aussi de réveiller cette ville que les Parisiens en soient fiers, qu'ils soient enthousiastes. et ben, qu'il est le temps est venu bon. que ce soit un maire écolo, un maire écolo à Paris. Et mais en, y a pas et que en Paris. même temps, vous nous expliquez. Et en même temps, vous nous expliquez. Et, pas en pas temps, Paris, nous expliquez et en même temps, vous Paris. nous expliquez que l'enjeu c'est surtout d'engager un rapport de force au premier tour pour mais, peser ensuite sur mais euh, sur éventuellement unidalgou pour gagner. Vous savez, on est en bonne position à Besançon, à Nancy, à Nantes, à Rennes, ça, combien de dans villes plein de villes. Combien de villes, villes, de villes. c'est Ville quoi l'objectif C'est ça qui est important. C'est quoi l'objectif des Verts et Combien de villes de plus de 9000 habitants C'est d'essayer de gagner le maximum. Quel objectif vous, vous chiffrez savez, pas Mais non, on ne va bon. pas chiffrer. Après, à la fin, ce sont les électrices et les électeurs qui décident. Mais notre responsabilité, quand tout le monde se dit qu'on a quelques années, pour échapper au chaos climatique, pour échapper à l'anéantissement de la biodiversité, que la préoccupation première... Des Françaises et des Français dans ces élections ouais. municipales, c'est leur condition de vie au quotidien. Comment ils se déplacent Quelle est la nature de leur logement ouais. Est-ce qu'on isole Est-ce qu'on n'isole pas Est-ce qu'on a des déplacements des transports collectifs Est-ce qu'on a encore des services publics partout en France Eh ben, les, le combat des écologistes, c'est ça transformer Yannick la Jadot. vie quotidienne des Français, Yannick répondre Jadot. à leurs difficultés, mais les emmener avec enthousiasme. On va conclure, Yannick Jadot il y a l'urgence climatique ouais. qui, nécessite, qui, qui entraîne, selon vous, la nécessité de mettre écolo dans les villes dans les grandes villes et même les et même petites. dans les villages dans les villages et, aussi n'oubliez pas les villages et en France Yannick Jadot il est temps d'avoir un président écolo ah oui ça mais c'est 2022 c'est la vous, priorité c'est municipal c'est vous j'espère que ce sera un écologiste ou une écologiste que, et on va y travailler à que faire avez... une grande alternative autour de l'écologie pour l'alternance en 2022 vous avez mais envie mais gagnons des municipalités que vous en avez envie moi ma, ma seule ambition c'est pas on de bois, enfin! C'est ben oui, qu'on gagne mode. des municipalités, qu'on gagne des municipalités dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque ville, des écolos pour répondre aux difficultés difficulté vous de nos concitoyens. – Vous vous rasez Yannick Jadot ?– Vous y pensez en vous Pas rasant. toujours très très bien. Non, non. j'ai incroyablement de l'ambition pour l'écologie, pour la France et pour l'Europe. Je suis député européen aujourd'hui, je vais m'investir dans les municipales. Vous savez, cette France, elle se divise, elle se fracture du point de vue de l'aménagement du territoire, du point de vue social, du point de vue politique. Du point de vue... Eh bien moi j'ai envie de les rassembler. Nous les écologistes, on veut les rassembler. – On veut fédérer les Français. On veut les mobiliser autour d'un. C'est la seule grande idée. Mais vous n'avez pas. Mais vous n'avez pas encore envie de dire que c'est derrière vous que vous mais souhaitez se rassemblement. avec, avec les a, écologistes. On vous a entendu, Tout, Yannick Vous savez la politique, c'est une aventure collective. Toujours. Merci Yannick Jadot. Merci beaucoup Yannick Merci. Jadot. Merci beaucoup David Doucan c'est votre invité politique tous les soirs dans ce studio sur Europe 1. Yannick Jadot qui nous dit à propos de Sylvie Goulard, le choix d'Emmanuel Macron pour être la commissaire européenne, il y a une gêne. Voilà Et ce oui. que vous nous disiez. Voilà ce que vous disiez. À David Doucan il y a un instant. Merci.